avait très mal. Pourquoi? Pour commencer un projet de construction. Toi, M.O., tu dois consulter un architecte. On a aujourd'hui de construire quelque chose. C'est l'architecte qui va t'orienter. L'architecte, c'est le concepteur, il va te dire, non, je veux faire un projet de tel niveau, de tel ampleur, je vais avoir quelque chose comme ça. L'architecte va t'aider à concevoir le bâtiment, c'est lui qui va te conseiller. Et après, avant de réaliser un projet, peut-être une entreprise qui va venir faire. Avant que l'entreprise puisse réaliser, c'est l'architecte qui va te dire, non, par rapport à votre projet, il faut consulter tel cabinet des ingénieurs structurés, parce qu'il n'y a pas ingénieur, non. Il y a les ingénieurs électriciens et les ingénieurs spécialisés seulement en calcul de structure. Celui qui calcule comment est-ce que le bâtiment peut tenir. Partout ailleurs, on peut construire sur l'eau, on peut construire partout. Il y a des gens qui sont spécialisés à le faire. Mais si chez nous, le plus grand degré, c'est n'importe qui peut construire. Alors, une maçon, pendant un long moment, une expérience, pourtant, le plus grand problème, c'est qu'ils aiment trop manipuler des gens. Parce qu'un seul bureau, c'est moi pour faire les études. Il y a projet, faire les études, la structure, ça coûte énormément cher. Parce qu'on voit quelqu'un, il accepte. Ah, tout bannement. Des fois ça tient pas. Il y a un autre comment la situation est catastrophique. Aujourd'hui, de nos jours, on ne sait pas qui est qui construit et qui ne peut pas construire. Donc l'État, tout comme le maître d'ouvrage pour les clients, aime voir le sens du beau. Mais on peut voir à l'insuffisance qu'il y a un accrochement. Le bâtiment de Tibisson n'a pas été fait. Vous le voyez, vous remarquez ensemble qu'on n'a pas tenu compte de l'étude du sol. Aujourd'hui, nous voyons les gens de l'urbanisme qui se quittent donc d'un chantier à l'autre en train de demander l'autorisation de bâtir. Or, avant que l'autorisation de bâtir soit livrée, il faut qu'il y ait une étude de calcul, faite par un ingénieur compétent. L'architecte et l'ensemble de tout ça constitue une étude de faisabilité capable de bien prouver que le sol a une capacité portante suffisante pour supporter l'immeuble que vous l'imposez. Aujourd'hui, les gens dorment et se réveillent, disent que non, je construis ce niveau, je construis cet niveau. Est-ce que vous avez utilisé le sol? Est-ce que ce sol-là a une capacité importante suffisante pour supporter la charge que vous l'impliquez? Voilà les conséquences aujourd'hui. Et tout le monde est tenté de voir, c'est comme un spectacle. Donc il y a eu l'étude du sol qui n'a pas été respectée selon moi tant qu'ingénieur en bâtiment et travaux publics. Il y a une importance du sol, il y a une contrainte du bâtiment qui est supérieure par rapport à la contrainte du sol. Merci. Bon, nous avons été alertés depuis le matin. Il y avait un bâtiment qui s'était donc affaissé. Nous sommes arrivés constater le fait. Et là, visiblement, c'est un bâtiment de plus de 8 niveaux, donc rez-de-chaussée plus 8 étages. Et le rez-de-chaussée ainsi que les deux premiers niveaux sont enfouis déjà sous terre. Et visiblement, le bâtiment ne présente pas de fissures, mais il faut nécessairement les démolir pour éviter qu'il y ait d'autres accidents par an. Jusque-là, nous ne connaissons pas le propriétaire. Les ingénieurs ainsi que les ouvriers qui travaillaient dans le chantier, ils ont tous fui. Nous avons chargé notre chef du quartier. C'est cette maman ici, c'est elle qui va nous fournir les éléments et donner notamment les coordonnées, les responsables des chantiers ainsi que les propriétaires du bâtiment. Alors, à notre niveau, la ville se limite à donner les autorisations
de bâtir pour des bâtiments de rez-de-chaussée plus un seul niveau. Au-delà, c'est le gouvernement central, notamment le ministère de l'urbanisme. Et comme ça se passe dans notre ville, nous sommes obligés de suivre. Et là, j'ai demandé à mes services de prendre des dispositions pour démolir complètement ces bâtiments. On va les démolir, les techniciens savent comment ils font. Ils vont les démolir, ils vont le faire descendre. Voilà, alors tu vois qui appelle, un peu par la chose, et ils ont un immeuble moko, dans le PA. On a trouvé le cas là, tout le monde dit, il y a des bâtiments à 8 étages, rez-de-chaussée, on a un étage de balai, ici, au Côte-Nassé, mais bâtiment à Romoko, il y a la fissure, mais présentement, il a dit, déjà à FC, il était un ami, et tout le monde est au Côte-Nassé. Mais si vous prenez un ami, vous prenez de là, et vous vous tapez, la carte est à haute tension. On prend un mot, c'est mis dans le service technique. Il y a hôtel de ville, parce que c'est vraiment l'instruction, où il n'y a pas besoin de calendrier, il y a beaucoup de cas, le bâtiment, il y a beaucoup de cas, et ça, il y a la dégâts de l'unité. Alors, pour le bâtiment à Ebanité, assis à Kimi, il y a un ouvrier, un ingénieur, je ne sais pas savoir, dans ce bâtiment, on va dans le monde, mais puis ce photo de la disposition pour nous élèver de la tête, ma voisine, je suis pas de battre, et puis par câble et en haute tension, on va le cas, et katanaté à disposition de ces Ukrainiens. Mais il dit que depuis qu'on a un niveau de la ville de Kinshasa, il peut avoir l'autorisation de bâtir pour un immeuble où il y en a un rez-de-chaussée dans l'étage Moko. Alors, pour le cas étage mi-balai, ça te dit qu'on a le boulot, il y a le gouvernement central, il y a le ministère, il y a l'urbanisme. En tant que tout est bien adapté, tout est basé sur la promotion de la puissance, pour éviter, mais pour le moment, tout est là, l'autorisation, on a fait un régime de pouvoir qu'on a eu pour lui. On a dit que la commission, nous sommes, il a été réunité pour le bâtiment. Voilà. Merci.